Simpson, combien de fois faut-il que je te dise de ne pas bavarder? Va au bureau du proviseur. Je bavarde. Et emporte ça. Madame Campbell, Bart a quelque chose à vous dire. Je ne dirai pas. Bart. Je vous aime, Edna Campbell. Bart va se marier avec la maîtresse. Ouais, où est ta liste de mariage, Simpson? Je te remercie, Bart. C'était très gentil. Tu peux t'asseoir maintenant. Oh, ils vont pas s'en tirer comme ça. Je m'absente un instant, les enfants. Martin, tu me remplaces. Écoute, Bart, il faut que tu me promettes de pas tomber amoureux de moi. Voilà, Martin, qui se paye ma tête maintenant. Oh, ça suffit. Écoutez-moi tous. Suivez-moi. Chers camarades, que la force soit avec vous pour supporter ça. Oh là là. Et c'est l'heure de la sortie. Et là, Bart a ouvert la porte. Il y avait le proviseur Skinner et Madame Crapavel qui s'embrassaient et qui transpiraient. C'était dans le placard avec les professeurs et il avait autant de bras que Vishnu et ils étaient tous très occupés. J'étais à la bibliothèque à ce moment-là, mais Janie m'a dit que le proviseur et la maîtresse de Bart, madame... comment elle s'appelle? Crapabel. Oui, Crapabel, ils étaient nus tous les deux dans le placard. Oh mon Dieu! Attends voir, elle s'appelle Crapabel, la maîtresse de Bart? Moi, je l'ai toujours appelée Cracrapoubelle. Comment ça se fait qu'on me dit rien à moi? J'ai dû passer pour le roi des andouilles. Madame Crapabelle et le proviseur faisaient des bébés dans le placard. Et j'ai même vu l'un des bébés. Et en plus, les bébés, ils me regardaient, moi. Le bébé t'a regardé? Sarah, passe-moi l'inspecteur Chalmers. Merci, Sarah.